Le point suivant qu'on va voir, c'est la méthode à 5 étapes. Alors, c'est quoi la méthode à 5 étapes? La méthode à 5 étapes, c'est quoi? C'est une méthode dans laquelle on l'utilise pour produire sur plusieurs étapes un circuit combinatoire. Alors, on doit suivre ces 5 étapes à chaque fois. Parce qu'on aura besoin de construire un circuit combinatoire, on va utiliser ces 5 étapes. La première étape, je vais les énumérer. La première étape, c'est le schéma global. La deuxième étape, c'est la table de vérité. La troisième, c'est les fonctions booléennes. La quatrième, c'est la table de Carnot ou bien la simplification algébrique. On va voir, on va parler de ça. Et la dernière étape, c'est le logigramme, c'est le dessin du circuit, c'est le dessin du cercle. Alors, comme remarque, ces étapes sont, concernant ce module, sont obligatoires. Ça veut dire, dans l'examen, si on vous demande de faire un circuit combinatoire, vous n'allez pas me donner directement le résultat, c'est le logigramme. Vous n'allez pas me donner directement le résultat. Il faut faire ces étapes. Il faut passer étape par étape. Faire le schéma global, ensuite la table de vérité, ensuite les fonctions booléennes, ensuite la table de Carnot, et ensuite le logigramme. Ces étapes sont obligatoires dans ce module. Ça permet de voir l'évolution de la construction d'un circuit combinatoire. Et ces étapes, même en dehors de ce module, ces étapes sont les étapes pour assurer la construction, pour éviter les erreurs, et assurer une construction propre à un circuit combinatoire. Circuit combinatoire. Voilà, pour voir comment ces étapes elles sont illustrées, on va utiliser un exemple. L'exemple qu'on va voir, c'est un exemple très célèbre. C'est l'exemple d'un afficheur 7 segments. Alors, sur l'image, on voit deux afficheurs 7 segments. Ces afficheurs, ils sont bien connus de tout le monde. On les voit partout dans notre vie quotidienne. Vous pouvez, par exemple, trouver ça dans les montres, dans l'afficheur d'une calculatrice, dans les panneaux, par exemple, les panneaux pour indiquer la température ou bien pour indiquer des informations, le temps, et ainsi de suite. Ce type d'afficheur est bien connu. Ces afficheurs, on va créer un circuit combinatoire qui va les contrôler. Il va contrôler ces afficheurs. Alors, ces afficheurs, avant de les contrôler, on va un peu étudier leur composition. Ces afficheurs sont appelés afficheurs 7 segments. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent 7 segments. Ils contiennent 7 segments. On a le premier segment, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. 7 segments. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'afficher un seul chiffre. Ça permet d'afficher les chiffres. Chiffres, c'est, on connaît les chiffres, c'est à partir du premier chiffre, qui est le chiffre 0, jusqu'au dernier chiffre, qui est le chiffre 9. Si on voulait, par exemple, afficher les montres, par exemple, contiennent 4 afficheurs 7 segments, 2 pour les minutes et 2 pour les heures. Ça veut dire en tout, on a 4 afficheurs 7 segments. Un afficheur est responsable d'afficher un seul chiffre décimal bien sûr, un seul chiffre décimal. Les chiffres décimaux, c'est à partir de 0 jusqu'à 9. Voilà comment ils fonctionnent. Ces segments, réellement, sont des LED. Ce qu'on appelle des LED. Les LED, c'est une technologie semblable aux lampes, mais ce n'est pas des lampes. C'est des LED, c'est une autre technologie. On appelle ça des LED. Les LED, c'est comme par exemple l'indicateur. Sur le PC, par exemple, vous trouvez un indicateur qui affiche, par exemple, l'activité du disque dur. L'activité du disque dur est indiquée par un indicateur de couleur rouge. Ce n'est pas une lampe, c'est une LED. On appelle une LED. La LED, elle fonctionne comme une lampe.
Lorsqu'on l'excite par 5 volts, elle va s'allumer. Lorsqu'on lui donne 0 volts, elle va s'éteindre. C'est très simple. La LED, elle a deux bornes. Elle a deux bornes positives et négatives. Ils ont des noms spéciaux, mais je vais dire positives et négatives. Si on donne 5 volts sur les deux bornes, la LED va s'allumer. Elle va s'allumer. Bien sûr, c'est comme la lampe. Si on lui donne la valeur 0, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi j'ai dit 5 volts? C'est des valeurs logiques. Ça veut dire, si on donne la valeur logique 0 à la LED ou bien un seul segment, il va s'éteindre. Si on lui donne la valeur 1 logique ou bien 5 volts, il va s'allumer. Il va s'allumer. Et de cette manière, on va contrôler les segments d'un afficheur. 7 segments par des valeurs logiques. Par des valeurs logiques. Réellement, c'est branché. Il y a des fils qui sont branchés. Par exemple, ce fil, il va ramener par exemple 5 volts pour par exemple le premier segment. Le deuxième fil pour le deuxième segment. D'accord. La borne négative, ils ont une borne négative commune. Il y a des variantes, mais on va dire qu'il y a une borne négative commune. C'est par exemple, supposons par exemple le blanc, c'est le négatif pour tous. Mais le positif, la borne positive, c'est par exemple c'est ça pour le premier, le bleu pour le deuxième, le jaune pour le troisième, le vert par exemple pour le quatrième, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a 7 fils pour alimenter les 7 segments, et on a un fil qui va retourner, qui va être la borne négative, c'est une borne négative commune entre tous les segments, les 7 segments, pour les 7 segments. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement dans cet exemple? Dans cet exemple, on va créer un circuit combinatoire. Le circuit combinatoire, c'est un circuit combinatoire, il va contrôler l'affichage sur un afficheur 7 segments. Voici les segments, on va les nommer, juste pour nous faciliter le travail, on va nommer les segments. Ça c'est le segment A, ça c'est le segment B, ça c'est le segment C, D, E, F et G. On va les nommer de cette manière. On va créer un circuit combinatoire qui va les contrôler. Il va les contrôler, il va afficher les chiffres. Il va afficher les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce circuit combinatoire, il va afficher du chiffre 0 jusqu'au chiffre 9. Afficher, ça veut dire qu'il va les dessiner. Par exemple, si le circuit combinatoire, il veut afficher le chiffre 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer le segment A, B, C, D, E, F et éteindre le G. C'est ça. Il va faire ça. Il va dessiner le chiffre 0. Il va le dessiner. Et ici, la combinaison de sortie pour ce circuit combinatoire, elle est différente. Il y a là, qu'est-ce qu'il a le circuit combinatoire pour afficher le chiffre 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer ça, 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 ça. Ça veut dire qu'il va dessiner le chiffre 0 en utilisant les segments, en utilisant les LED, en utilisant ces LED. D'accord? Par exemple, si ce circuit combinatoire, il veut afficher le chiffre 1, il va allumer le B et le C et il va éteindre les autres. Pour le 2, il va tout allumer sauf le F et le C. Pour le 3, s'il voulait afficher le chiffre 3, il va tout allumer sauf le F et le E. La même chose pour les autres. Le circuit combinatoire qu'on va construire, il doit pouvoir afficher des chiffres. Il doit pouvoir afficher des chiffres. Ça, c'est si on suppose, on a notre circuit combinatoire. On connaît les sorties. On va lui donner 7 sorties. Chaque sortie, elle sera branchée à un segment. La sortie 1 sera branchée au segment A. La sortie 2, ça veut dire que notre circuit, il aura 7 sorties. Avec ces 7 sorties,
Il peut dessiner le chiffre ce qu'il veut. C'est pas lui qui décide du chiffre. On va voir comment on va entrer le chiffre. Mais c'est ça le principe, c'est que le circuit combinatoire, il va dessiner sur l'afficheur 7 segments, il va dessiner le chiffre par cette sortie. Il a cette sortie binaire, il peut mettre à 0, ça veut dire qu'il va éteindre le segment. S'il met à 1, ça veut dire qu'il allume le segment correspondant. Il en a cette sortie. En entrée, il doit y avoir, on doit entrer la valeur du chiffre qu'on veut afficher. Ça veut dire, on a un circuit combinatoire, il a des entrées, il a des sorties. On a bien compris les sorties. Les entrées, ça veut dire que je dois donner le chiffre que je veux dessiner, que je veux que le circuit dessine, que je veux que le circuit affiche. Je lui donne le chiffre et il va l'afficher. Et ça, le rôle de ce circuit combinatoire, c'est juste une boîte. On lui donne le chiffre qu'on veut afficher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le dessiner sur l'afficheur 7 segments. Bien sûr, comment on va lui donner ce chiffre? On va lui donner sous format binaire. On va lui donner sous format binaire. Qu'est-ce que ça veut dire, format binaire? Ça veut dire j'ai des valeurs de 0 à 9. Normalement, j'ai besoin de 4 bits pour représenter les valeurs de 0 à 9. Ça veut dire la valeur 0, le chiffre 0, je vais le représenter par, sur 4 bits, 0, 0, 0, 0. Le chiffre suivant, le 1, je vais le représenter binairement par 1, 0, 0, 0. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation non signée d'un nombre, des nombres de 0 à 9. De 0 à 9. Pour représenter le 2, c'est 0, 0, 10. Pour représenter le 3, c'est 0, 0, 11, et ainsi de suite. Le 4, c'est 1, 100, et ainsi de suite jusqu'au dernier qui est le 9. Le 9 sur 4 bits, c'est 1001. C'est 1001. Ça s'écrit 1001, 0, 0, 0. Pardon, 1, 0, 0, 1. C'est 1001, le 9. Bien sûr, on sait très très bien que 4 bits, ils peuvent représenter 16 valeurs en tout. Les combinaisons possibles sur 4 bits et 2 à la puissance 4, c'est 16 valeurs. Ils peuvent représenter des valeurs de 0 jusqu'à 16. Pardon, jusqu'à 15. Jusqu'à 15. La dernière valeur, c'est 1, 1, 1, 1. C'est la valeur 15 binairement. Vous connaissez très très bien ça. C'est la valeur 15 binairement. Nous, on ne va pas utiliser les 16 valeurs. On va utiliser que 10 valeurs, de 0 jusqu'à 9. On va travailler de 0 jusqu'à 9. Les autres, ça veut dire la valeur 10, 11, 12, 13, 14 et 15, binairement, ils ne seront pas utilisés par le circuit combinatoire parce que c'est le chiffre qu'on veut afficher est un chiffre décimal. C'est un chiffre décimal. Voilà, globalement, c'est ça. On a essayé d'entourer la compréhension de ce circuit combinatoire. Juste pour résumer, ce circuit combinatoire, on lui donne la valeur du chiffre qu'on veut afficher en binaire, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9, en binaire sur 4 bits, ça veut dire qu'il a 4 entrées binaires, et il va sortir 7 valeurs, 7 signaux, 7 fils qu'ils vont commander les segments de l'afficheur à 7 segments. Ils vont commander l'afficheur à 7 segments. Bien sûr, je vous parle, on va créer ce circuit combinatoire. On va le créer à partir de porte logique. On va créer notre circuit combinatoire. Mais réellement, il existe déjà. Il existe déjà un circuit qui fait ce travail. J'en ai deux modèles. Je vais vous donner la référence. Vous pouvez les chercher, vous pouvez les acheter. Vous pouvez les tester. Ils sont prêts. C'est des puces. Voilà, je vais vous les montrer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le premier, c'est 74-48. Et le deuxième, c'est 74-247. 247. Vous pouvez chercher sur Internet. Vous allez les trouver. Voilà, ces deux modèles, c'est 74-48 et 74-247.
Je commence toujours par 74 parce qu'on les appelle les composants de la série 74. C'est une série qui contient plusieurs composants. La série s'appelle la série 74. Ça commence toujours par 74. Ensuite, je donne le numéro qui va représenter le composant. Voilà, on a ces deux composants. Ces deux composants, les électroniciens l'appellent. Vous avez trouvé ça sur le nom dans le datasheet. Alors, lorsque vous avez téléchargé le datasheet de ces deux composants, vous avez trouvé leur nom, c'est BCD to 7 segment decoder or driver. Voilà, c'est ça. Il fait la conversion entre l'encodage BCD et l'encodage 7 segments. 7 segments, on a bien étudié. BCD, vous n'avez pas étudié ça en structure machine 1, c'est une forme de représentation des valeurs entières. C'est très simple. On va juste dire, pour l'instant, on ne va pas l'aborder, on va juste dire que un chiffre, c'est représenté d'une sous l'encodage entier non signé sur 4 bits. Sur 4 bits, on ne va pas entrer dans les détails. Le BCD, vous pouvez chercher ça vous-même. Mais c'est une forme de représentation des nombres. C'est une forme de représentation des nombres. Voilà. Voilà, on va faire étape par étape et on va essayer de construire ce circuit combinatoire. Alors, la première étape, on avait déjà dit ça, la première étape, c'est le schéma global. Le schéma global, c'est très simple. Le schéma global, on a déjà vu ça. C'est lorsqu'on dessine un carré. C'est la boîte qui va, dans laquelle on va ajouter les entrées et les sorties. Et on va les nommer. Voilà, c'est ça. On va commencer toujours, on commence de cette manière, c'est que le schéma global, on va dessiner un carré, ou bien un rectangle. Là, je viens de le nommer contrôleur afficheur 7 segments, ou bien c'est BCD2, 7 segments, converter. En tout cas, on va simplifier les choses, on va dire que c'est le contrôleur d'afficheur 7 segments. D'accord? Lorsqu'on dessine ce carré, ça sert à représenter le circuit combinatoire. C'est la boîte qui va représenter le circuit combinatoire. Ensuite, on doit ajouter les entrées et les nommer. Là, je viens d'ajouter les entrées, j'en ai 4. De E0 jusqu'à E3, E0, E1, E2, E3. Ici, c'est important, les noms, essayez de les prendre de petits. Des variables, c'est comme les noms de variables, parce que vous allez voir, les entrées vont devenir après des fonctions booléennes et ça va être des variables. Il ne faut pas prendre des noms qui contiennent plusieurs lettres. On va prendre des noms simplifiés. E0, c'est pour le premier bit. E1 pour le deuxième bit. E2 pour le troisième bit. E3 pour le quatrième bit. 4 bits pour représenter les chiffres. En sortie, on a 7 segments, on a 7 sorties. Chaque sortie, elle représente un segment. On a la sortie A pour le segment A, sortie A, B, C, D, E, F, G, 7 segments. Voilà. Globalement, c'est très simple. Ça, on appelle ça le schéma global. Le schéma global est important. C'est le premier pas pour la construction d'un circuit combinatoire. Et c'est là on va nommer nos variables. C'est là on va nommer nos entrées et nos sorties. Et cette nomination, cette façon de nommer doit être suivie et respecter le nom des étapes suivantes. Les étapes suivantes, l'étape 2, 3, on doit toujours respecter la même nomenclature. On a nommé par exemple, on a dit que ça c'est E0, ça représente l'entrée 1, vous n'avez pas changé ce nom. Vous ne pouvez pas changer ce nom dans les étapes suivantes. Première des choses, il ne faut pas changer sa signification. Ça, c'est une erreur qu'on voit toujours dans les examens. Généralement, c'est que la signification, elle change. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étudiant, il va supposer, ça c'est le premier bit, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième. Il va le faire en la première étape. Après, dans les étapes suivantes, il va se tromper, il va oublier, il va inverser. Il va supposer que le E3 c'est le premier bit, le E2 c'est le deuxième bit, le E1 c'est le deux, et ainsi de suite. Ça c'est une erreur qui est commune. Pourquoi il fait ça? C'est parce que lorsque vous allez voir qu'on va utiliser les tables de vérité, ils vont être affichés inversés
il va les interpréter inversées. Il va les interpréter inversées. Bien sûr, la solution sera fausse. La solution n'est pas correcte. Voilà, ce point est très important à signaler, c'est que là, dans le schéma global, on nomme les entrées, on nomme les sorties, et on respecte cette nomenclature pour le reste des étapes suivantes. L'étape 2, on va voir la table de vérité. Alors, la table de vérité, on connaît ça. C'est quoi une table de vérité? La table de vérité, elle va représenter, elle va spécifier notre circuit, elle va le spécifier. Nous, on a déjà spécifié verbalement, j'ai déjà expliqué c'est quoi ce circuit. Je l'ai expliqué, mais la table de vérité, ça va être une spécification formelle. On va représenter la table, ça c'est la table, ça c'est les entrées, ça c'est les sorties, et cette table, puisqu'on connaît comment le circuit fonctionne, on pourra la remplir, on va la remplir, on doit la remplir. Cette table, elle va spécifier notre circuit combinatoire. Bien sûr, j'ai déjà rempli les entrées, c'est connu. Voilà, c'est celle E3, E2, E1. Juste une remarque ici, en principe, vous connaissez ça. Lorsqu'on a par exemple 4 entrées, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par écrire 8-0, ici, la dernière colonne. Dans la dernière colonne, 8-0, 8-1. Dans la deuxième colonne, c'est 4-0, 4-1, 4-0, 4-1. Dans la troisième, 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, et ainsi de suite. Dans la dernière, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, et ainsi de suite. De cette manière, les valeurs numériques, ils seront automatiquement ordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première ligne, elle va représenter le 0. La deuxième ligne, elle va représenter la valeur numérique 1. La troisième, c'est le 2. La quatrième, c'est le 3. La cinquième, c'est le 4. La sixième, c'est le 5, et ainsi de suite jusqu'à la quinzième valeur. Ils sont ordonnés automatiquement. Les valeurs binaires, les valeurs non signées, les entiers non signés binaires, ils sont automatiquement ordonnés. Ils sont automatiquement ordonnés. Voilà, on va remplir cette table. Alors, première chose à faire, c'est de ramener l'afficheur, cet segment. Et là, on doit commencer à remplir la table de vérité. On va la remplir ligne par ligne. Alors, la première ligne, elle représente la première entrée. La première entrée, c'est 0, 0, 0, 0. Ça veut dire, lorsque je donne la valeur numérique 0, la valeur binaire 0, à notre circuit combinatoire, il doit afficher, il doit s'assurer et sortir la combinaison correcte pour désigner et afficher le chiffre 0 sur l'afficheur 7 segments. Alors, si ici 0, ça veut dire quels sont les segments qui sont allumés et quels sont les segments qui sont éteints dans le chiffre 0. Pour dessiner le chiffre 0 ici, on a besoin d'allumer le segment A, B, C, D, E, F et d'éteindre le G. Et d'éteindre le G pour afficher le chiffre 0. Cette entrée, elle doit sortir cette combinaison dans ce circuit combinatoire. Alors, on va remplir la première ligne. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est que ça doit être 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ça veut dire que tous les segments sont allumés sauf le G, sauf celui du milieu. Sauf celui du milieu. Voilà, c'est exactement la même chose qu'on va répéter ce processus pour dessiner, pour donner le pattern ou bien la combinaison pour dessiner le chiffre sur l'afficheur à 7 segments. Alors pour le 1, l'entrée 1, si on donne 1, il doit pouvoir dessiner le 1. Alors pour dessiner le 1 ici, on doit allumer le B et le C et éteindre les autres segments. Éteindre les autres segments B, C. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que le B allumé, le C allumé, les autres, ils doivent être éteints. Voilà, comme ça. Ça, c'est pour afficher le 1. Pour afficher le 2, la même chose, on va voir sur le schéma. Le 2, ça veut dire que ça doit être dessiné de cette manière. Ça doit être allumé, B allumé, G allumé, E allumé, D allumé. En d'autres termes, on peut dire que tous sont allumés sauf le F et le C. Sauf le F et le C. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire F égale à 0. C
est égal à 0, les autres, ils sont annulés. Les autres, ils sont annulés. Voilà. Ce pattern, cette combinaison, elle va afficher sur l'afficheur, cet segment, elle va afficher le chiffre 2. Elle va afficher le chiffre 2. On continue. On va voir le 3. Pour afficher 3, c'est ce segment, on va le dessiner de cette manière. Ça veut dire que tous ces segments doivent être allumés, sauf le F et le E. Je vais tout allumer, sauf le F et le E. Alors, on va le faire. F, E, E. Il est mis à 0. F, il est éteint, mis à 0. Les autres, ils sont mis à 1. Ils sont mis à 1. Ils sont allumés. Ils sont allumés. Ils sont allumés. On va afficher le chiffre 3. Le suivant, c'est le 4. On va voir le 4. Alors, le 4, c'est ça, 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 ça. Alors, le 4, on va dire, on va allumer le F, le G, le B et le C. B, C, F, G. OK. C'est B allumé, C allumé, F, G. Voilà. Le reste, c'est A. Non. Le reste, c'est A. On continue. Le 5, on doit le dessiner de cette manière. Il est dessiné de cette manière. Le 5, si on voit bien, c'est tous les segments sont allumés sauf le B et le E. Sauf le B et le E. Le B à 0, le E à 0. Les autres, ils sont allumés. Voilà, ça c'est l'affichage du chiffre 5. Le 6. Le 6, c'est la même chose. Le 6, c'est la même chose. Tous, ils sont allumés, sauf le B. Sauf le B qui est mis à 0. Ils sont tous allumés. On doit les dessiner de cette manière. Le B, il est à 0. Et les autres sont allumés. Voilà. Pour le 7, ça c'est la valeur 7 en binaire. Le 7, il est assez facile aussi. Le 7, on le dessine avec trois segments. C'est le A, B, C. Ils sont allumés, les autres, ils sont éteints. Voilà. A, B, C. Les autres, ils sont éteints. Le suivant, c'est le 8. Ça, c'est le 8. Le 8, c'est le plus simple. On doit allumer tous les segments. On doit allumer tous les segments. Et le dernier, c'est le 9. Le 9, c'est tous les segments, ils sont allumés sauf le E. Sauf le E. Tous les segments sont allumés sauf le E. Alors, le E, il est mis à 0. Et les autres, ils sont allumés. Voilà. Pour les autres, la valeur 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va éteindre. On va éteindre. On ne va pas... On va pas afficher. On affiche aucun chiffre. On va mettre tout à zéro. Ça veut dire qu'on va éteindre. Et si par exemple en entrée on donne un chiffre, on ne peut pas afficher. Le chiffre 11, ça n'existe pas. On dessine le chiffre 11, le chiffre 12. Ça veut dire qu'on va éteindre toutes les lettres. On va éteindre tous les segments, ou bien toutes les lettres. Voilà, on vient de remplir la table de vérité. Le point suivant, c'est l'étude des fonctions canoniques. Alors, pourquoi l'utilisation des fonctions canoniques? On avait déjà expliqué qu'il y avait une certaine relation entre les paroles de vérité et les fonctions booléennes. On avait dit que ces deux-là étaient nos outils pour spécifier un circuit combinatoire et que si on avait l'un, on pouvait passer à l'autre. On avait déjà vu que à partir des fonctions booléennes, on pouvait tracer la table de vérité. C'était très simple, il suffit de évaluer les fonctions booléennes et remplir la table de vérité à partir
des valeurs utilisées dans les fonctions. Utilisées dans les fonctions. Le sens inverse, ça veut dire maintenant, on a les parts de vérité et on veut extraire les fonctions booléennes à partir de ces parts de vérité. Là, on va utiliser les formes canoniques. On va utiliser les formes canoniques que vous avez étudiées en SM1. Les formes canoniques, juste un rappel, il y en a deux types. Il y a les formes canoniques disjonctives, il y a les formes canoniques conjonctives. Pourquoi vous les avez étudiées en théorique? Parce que c'est ça. C'est le moyen mathématique qui va vous permettre, à partir des tables de vérité, extraire les fonctions booléennes. On peut extraire les fonctions booléennes. Alors, on va prendre par défaut, c'est les fonctions canoniques disjonctives. On va utiliser les formes canoniques disjonctives. On a notre table de vérité qu'on vient de créer. Maintenant, on doit extraire les fonctions à partir de ces tables en utilisant les fonctions canoniques. Alors, juste pour précision, l'exemple, il contient sept sorties. Notre exemple, il contient sept sorties, c'est assez long. On va faire que l'exemple sur une seule sortie. On va prendre le segment A, on va prendre sur la table de vérité, on va prendre que la colonne A, que la sortie A, et on va extraire la fonction de cette colonne. Et juste pour rappel, on avait déjà vu que chaque sortie, elle est représentée par une fonction. Sur la table de vérité, chaque colonne à droite représente une sortie. Ça veut dire que chaque colonne, elle doit représenter une fonction. Globalement, normalement, on doit extraire sept fonctions différentes. La fonction A, la fonction B, la fonction Z, c'est jusqu'à la fonction G. Donc, voilà, on va faire que la fonction A. On va faire que la fonction A. Et je vais faire un rappel comment on fait la forme canonique disjonctive. Comment on fait la forme canonique disjonctive? C'est très simple. C'est très simple. On va le voir. On va commencer. Alors, on a notre fonction, c'est A. Les entrées, c'est E3, E2, E1, E0. Lors de la création du schéma global, on avait précisé qu'il faut prendre des noms qui sont réduits. Un caractère, deux caractères. Voilà, c'est important de faire ça parce que vous allez voir, ça c'est des variables. On va utiliser beaucoup de variables. C'est le nom d'une variable est assez long. Ça va être délicat, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, on a notre variable. La forme canonique disjonctive stipule l'utilisation ce qu'on appelle min-terme, la sommation des min-termes. Un min-terme, c'est quoi? Un min-terme, c'est ça. Ça, c'est un min-terme. Un min-terme, qu'est-ce qu'il représente? Il représente toutes les variables qui sont impliquées dans l'opération AND, opération multiplication ou bien le point. Toutes les variables utilisées dans la fonction, ils sont impliqué dans l'opération AND, ça, on appelle ça un min-terme. Le nom mathématique, c'est min-terme. Alors, pourquoi on utilise les min-termes? Pour la forme canonique disjonctive, les min-termes représentent le 1 sur la table de vérité. On va prendre la colonne A. Ça, c'est notre sortie. La fonction A, c'est la colonne A. Chaque 1, on va le marquer. On va marquer les 1. On va chercher les 1 dans la colonne. On va les chercher. On va les compter. On a par exemple la forme canonique disjonctive exige ça. La forme canonique disjonctive travaille avec les 1. Les 0, ils ne seront pas utilisés. Ils seront pas utilisés dans la forme. Ils ne sont pas utilisés dans la forme. Les 0, ils ne sont pas utilisés. On ne va pas les utiliser. On cherche les 1. La conjonctive, la forme canonique conjonctive, elle utilise les 0. Mais la disjonctive, non. La disjonctive, elle cherche les 1. Combien on a de 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque 1 sera représenté, sera formalisé par un min-terme. Là, j'ai un min-terme. Je vais ajouter d'autres min-termes. À vrai dire, je vais ajouter 8. Je vais ajouter 8. Parce que j'ai 8-1. Voilà. Ça, c'est le cinquième.
Voilà. On va juste arranger les choses. Voilà comme ça. Les min-termes, ils sont séparés par l'opération plus. Voilà, plus ici, plus ici, plus ici. Et voilà. On a 8 min-termes parce qu'on a 8,1 dans notre fonction. Et ils sont séparés par la sommation. Ils sont séparés par la sommation, par le plus, par le ou, par le. Alors, ça c'est les premières étapes. L'étape finale, c'est de prendre chacun, de voir son entrée. Ça, par exemple, le 1, son entrée, c'est la valeur 0. C'est la valeur 0. Voilà, je vais dire que ce min-terme, il représente l'entrée 0. Il représente l'entrée 0 parce que l'entrée 0, elle va produire 1. Alors, l'entrée 0, elle va produire 1. Ça veut dire, si je mets 0 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici, cette fonction doit produire 1 par rapport à la table, en suivant la table. Elle doit produire 1. Alors, pour produire 1, je vais la forcer. Je vais la forcer en utilisant les barres sur le min-terme. Ça, c'est le min-terme du 0 qui va produire 1. Alors, si je mets ici, par exemple, le barre pour transformer le premier 0, avant cela, qu'est-ce que je vais faire pour bien comprendre? Je vais écrire la valeur en binaire. La valeur en binaire, je vais écrire ici. 0, 0, 0, 0. Ça veut dire, si je donne 0, 0, 0, 0 ici, ça doit me produire le résultat 1. Ça doit me produire le résultat 1. Pour faire cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Là où il y a 0, je mets barre sur la variable. Là où il y a 0, je mets barre. Là où il y a 0, je mets barre. Là où il y a 0, je mets barre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce 0, il va devenir 1 ici. 1 fois 1 fois 1 fois 1 va produire 1. Le min-terme, il va produire 1 et c'est exactement ce qu'on veut. On veut que cette entrée, 0, 0, 0, 0, on veut qu'elle fait sortir la valeur 1 pour cette fonction. Voilà, c'est ça le principe. Je vais répéter pour les autres et on va voir. Par exemple, le deuxième 1, c'est celui-ci. Ça veut dire. C'est la valeur 2. Ça, c'est en binaire, c'est la valeur 2. Je vais juste dire que ça, c'est pour la valeur 2. Je vais l'écrire en binaire. Ça veut dire que c'est 0, 0, 10. Là, ce min-terme, la valeur 2, ce min-terme, pour le forcer à sortir, à produire la valeur 1, qu'est-ce que je fais? Là où il y a 0, je vais mettre barre sur sa variable. Ici, c'est barre. Ici, c'est barre. Voilà, ça veut dire que je viens de créer le min-terme pour le 2. On va faire la même chose. La suivante, c'est celle-là, c'est le 3. 3, c'est 0, 0, 1, 1. C'est 11. Là où il y a 0, je mets barre. Voilà, barre ici et barre ici. La même chose. Ça, c'est. Quatrième min-terme, ça c'est la valeur 5. Je vais l'écrire en binaire. Voilà, je mets barre ici sur le 0, barre ici sur le 0. Ça veut dire 5, elle va me produire 1. Le 1 suivant, c'est le 6. Le 6, c'est 110. Voilà, là où il y a 0, je mets barre. Le 1 suivant, c'est le 7. Ça, c'est le 7. Là où il y a 0, je mets barre. La valeur suivante, c'est le 1 suivant, c'est le 8. Ça veut dire j'ai 3 0, j'ai 3 barres. Et la dernière, c'est le 9. Et 1001. Voilà, là où il y a 0, je mets
bar. Et là, on vient de terminer. On vient de terminer. On va effacer ça juste pour que ça soit clair. Voilà, on doit effacer ici aussi. Voilà, et on doit laisser que la formule. Ça, c'est la forme canonique disjonctive, c'est la fonction booléenne qui représente cette sortie. Voilà, on vient de produire la fonction qui, à partir de la table de vérité. Ça, c'est la forme canonique. On appelle ça la forme canonique. Cette méthode mathématique que vous avez appris en SM1, elle vous permet d'extraire la fonction booléenne à partir de la table de vérité. Son principe est très simple. Son principe, c'est qu'on crée des min-termes pour les 1, on doit les forcer pour leur propre valeur de sortir la valeur 1. Si, par exemple, je prenais cette valeur, ça c'est la valeur 5, ça c'est 5, voilà, c'est celle-là, c'est celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? Là où il y a 0, je vais mettre barre. Pourquoi? Parce que lorsque je mets 5 ici, pour la fonction, je lui donne 5. Que va-t-il se passer? Les autres, ils vont tous donner 0. Les autres, ils vont tous donner 0, sauf le min-terme approprié. Ici, ça va donner, ça va être 0 ici. Je vais le faire en bas, juste pour bien être plus clair. Voilà. Je mets par exemple, ça c'est le 5, je vais l'écrire en binaire. 0, 1, 0. Qu'est-ce que ça va produire? Ici c'est 1, ça va donner 1. Ici c'est 0, ça va devenir 1. Ici c'est 1, ici c'est 0, ça va devenir 1. On a 1 fois 1 fois 1 fois 1. C'est la seule combinaison qui donne 1. D'accord? Ça va nous donner 1. Ce mi-terme, avec les autres termes, c'est des plus. C'est un ou. Si on a un seul 1 parmi, dans le ou, dans l'ensemble des ou, ce 1, il va donner la valeur 1 à toute la fonction. À toute la fonction, ça veut dire que la fonction elle va produire la valeur 1 pour l'entrée 5. Pour l'entrée 5. Voilà, ça c'est le principe. Ça c'est le principe. Il faut bien l'apprendre. Il faut bien l'apprendre. C'est ça pour produire les fonctions à partir de tables de vérité. Il y a une autre forme, c'est la forme complémentaire. On utilise les zéros. On appelle ça la forme conjonctive. On va la voir dans. Après, si vous l'avez aussi étudié, mais on va la voir dans d'autres exemples. La forme conjonctive. Alors, globalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Alors, une remarque très importante ici. On va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la réduction. On va réduire notre fonction. On doit la réduire. Mais avant cela, avant la réduction, il faut savoir que cette fonction est suffisante. Si on dessine un circuit ou bien un logigramme à partir de cette fonction, ça doit fonctionner normalement. Ça doit fonctionner normalement. Mais on doit ajouter une étape supplémentaire qui va réduire. Il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup d'opérations, il y a beaucoup de portes. Il y a beaucoup d'opérations. Si on arrive à compter ici les portes, il y en a beaucoup. On va les compter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Il y a 50 portes. C'est beaucoup. Il y a 50 portes. Un circuit de 50 portes. Et c'est un circuit complexe. C'est un circuit complexe. Et on doit réduire cette fonction. Pour la réduction, on va utiliser ce qu'on appelle l'étape de Carnot ou bien la réduction algébrique. Ces deux méthodes, vous les avez aussi étudiées en SM1. On va juste faire des rappels, pour rappel, mais en principe, vous connaissez ça. L'étape de Carnot et la réduction algébrique. L'étape suivante, c'est la réduction. L'étape 4,
On va faire de la réduction. Vous avez déjà étudié ça en SM1. Pour réduire les fonctions booléennes, vous avez deux méthodes. Ou bien vous allez faire les tables de Carnot, ou bien vous pouvez faire la réduction algébrique. Vous pouvez faire la réduction algébrique en utilisant les règles algébriques booléennes. Vous pouvez réduire, développer et réduire. Pour l'instant, pour cet exemple, on va se concentrer sur la table de Carnot. La table de Carnot, c'est une méthode systématique. Ça veut dire qu'il y a des étapes à suivre, il n'y a pas de réflexion. C'est des étapes à suivre jusqu'à la fin. Pour la réduction algébrique, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, c'est, vous devez chercher. Là, il y a un processus de recherche. On doit chercher à réduire. Peu importe, on va se concentrer sur les tables de Carnot. Alors, mais avant cela, on doit revenir sur l'utilité de la réduction. Pourquoi on doit réduire notre circuit? Alors, juste pour rappel, on avait compté les nombres de portes dans la fonction A, c'était 50 portes. Et vous allez voir, après réduction, on aura, je ne me rappelle pas exactement, 5 ou 6 portes. La réduction, elle est énorme. De 50 portes à 5 portes, c'est énorme. Et c'est très bénéfique. C'est très bénéfique pour les circuits. C'est très bénéfique. On va voir 4 points. Pourquoi c'est... Les 4 points représentent pourquoi la réduction, elle est bénéfique pour un circuit numérique. Alors, le premier point, c'est le coût. C'est le coût. Construire un circuit avec 50 portes est beaucoup plus cher qu'un circuit avec 5 portes. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup moins cher, pardon. C'est beaucoup moins cher qu'un circuit. Le circuit avec 5 portes est beaucoup moins cher qu'un circuit avec 50 portes. Ça, c'est totalement normal. C'est totalement normal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la rapidité. On va pas faire l'étude temporelle des circuits, mais il faut savoir qu'un circuit avec peu de portes, généralement, est beaucoup plus rapide qu'un circuit avec beaucoup de portes. Il va être plus rapide. Là, la rapidité, ça veut dire la transmission du signal à travers le circuit. C'est vrai, c'est de l'électricité. C'est très rapide, mais c'est calculable. C'est calculable et sans point d'importance. Ça a de l'importance de calculer ça. Mais on ne va pas le faire. Mais il faut savoir qu'un circuit avec peu de portes, il est plus rapide qu'un circuit complexe avec beaucoup de portes. Avec beaucoup de portes. Le troisième point, c'est la simplicité de construction. Un circuit avec 50 portes, il est beaucoup plus difficile à souder, à relier les fils et ainsi de suite, par rapport à un circuit qu'avec 5 portes. Ça, c'est logique. Un circuit avec 5 portes est beaucoup plus simple à réaliser, à construire qu'un circuit avec 50 portes. Le quatrième point, c'est la consommation d'énergie. La consommation d'énergie électrique, ici on parle du watt. Ça veut dire que chaque porte, elle va consommer de l'énergie. 50 portes, normalement, ils vont consommer beaucoup plus que 5 portes. Ils vont consommer, le nombre de watts consommés par 50 portes est beaucoup plus élevé que le nombre de watts par 5 portes. Et là, c'est visible lorsque, par exemple, votre circuit, par exemple, il utilise une batterie, par exemple, une pile. Là, la durée de vie de la pile pour votre circuit qui est réduit, elle est plus longue, beaucoup plus longue qu'un circuit avec 50 portes. Voilà. Globalement, ça, c'est les avantages de la réduction. C'est pour ça que dans ce module, toujours, on cherche à réduire les circuits. Toujours. Ça, c'est la cause principale. La première cause, c'est essayer de réduire en maximum le circuit. Il y a plusieurs méthodes pour ça. On va voir ça après. Il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas que la réduction. Il y a d'autres moyens. Alors, voilà. On va voir maintenant comment la table de Carnot fonctionne. Alors, la table de Carnot, en principe, vous l'avez étudiée. Là, je vais faire un rappel rapide sur comment fonctionne la table de Carnot. La première chose à savoir ici, c'est que la table de Carnot, elle va prendre cette forme
Et cette forme n'est plus ni moins que la table de vérité. La première information à comprendre ici, c'est que la table de Carnot, c'est une table de vérité. Ça commence par une table. La première étape, c'est remplir les cases qui représentent la table de vérité. Cette table de vérité de A, puisqu'on travaille toujours sur la fonction A, on va l'écrire sous format matriciel. Ici, elle est écrite comme une colonne. C'est écrit comme une colonne. Voilà, ça, c'est une colonne. On va transformer ça et on va l'écrire sous format matriciel. C'est la même colonne. C'est exactement la même colonne. Alors, comment on va faire? C'est très simple. C'est que on doit prendre les entrées. Ça, c'est les entrées. Ça veut dire on a E3, E2, on a E1, on a E0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les subdiviser. On va les subdiviser. On va dire que le E3 et le E2, ça va représenter les colonnes, voilà, les colonnes. Et E0 et E1, ils vont représenter les lignes. Et c'est exactement la même table. C'est exactement la même table. Voilà. Bien sûr, on va subdiviser en deux variables, deux variables. Supposons par exemple qu'on avait une fonction avec trois variables, par exemple x, y, z. La subdivision serait comme ceci. Deux pour les colonnes et une pour les lignes. On peut inverser, ça reste correct. D'accord. Si on a par exemple deux variables, x et y, ça sera subdivisé en deux. Ça sera subdivisé en deux. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que on a quatre variables, on va subdiviser en deux. Deux, ils vont représenter les colonnes, et les deux autres vont représenter la ligne. Bien sûr, si on a deux variables, 2 à la puissance 2, on a quatre combinaisons possibles. Les quatre combinaisons possibles, elles sont bien connues. C'est 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. C'est les quatre combinaisons possibles. On va les mettre ici. On va les mettre ici. Quoique l'ordre est un peu différent. Je vais juste en parler après. Pourquoi l'ordre il est différent? Pour l'instant, on va le prendre de cette manière. Quoique les quatre combinaisons sont ici. Les quatre combinaisons sont ici. Et la même chose pour les lignes. La même chose pour les lignes. On doit placer les quatre combinaisons possibles. Alors, de cette manière, qu'est-ce qu'on a? On a les 16 valeurs de notre table de vérité. La table de vérité, elle a 16 valeurs. On a les 16 valeurs, mais cette fois-ci, on doit faire une lecture matricielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Une valeur d'entrée, quelle que soit la valeur, je vais prendre une valeur au hasard. Par exemple, cette ligne qui représente la valeur 8, c'est 1000 en binaire, ou bien la valeur 8. Je vais prendre ces deux-là et ces deux-là. Je vais dire ça, c'est la colonne 10. Voilà, c'est ça la colonne 10. Et ça, c'est la ligne 0. Je fais l'intersection. L'intersection, c'est ça. Je fais l'intersection entre la ligne et la colonne. La valeur ici, c'est 1. Je vais mettre 1 ici. Si c'était 0, j'aurais mis 0. Voilà, c'est ça le principe. Comment, la première étape, comment on arrive à remplir la table de Carnot? C'est une simple table de vérité. C'est juste qu'elle est écrite sous format matriciel. C'est juste qu'elle est écrite sous format matriciel. Voilà. On va faire la même chose pour les autres entrées. On va le faire rapidement. On va effacer ça. Voilà, on va commencer par la première valeur, 0, 0. Ça veut dire c'est ici. Je vais l'écrire de cette manière. C'est 0, 0, sa valeur c'est 1. Alors c'est ici. Ça, c'est 1. La suivante, 0, 1. Ça veut dire ici, c'est 1.
Ici, c'est 1 et ça donne la valeur, on doit remplir avec la valeur 0. En principe, c'est ici. Voilà, ici, c'est 0. La suivante, c'est 10 ici. On est ici. C'est la valeur 1. 10, c'est là. Ça, ici, c'est la valeur 1. La suivante. Ici, c'est 0, 0, 11. Voilà. 11, ça veut dire c'est cette entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a la valeur 1. Il y a la valeur 1. On continue. On a ici c'est 1, ici c'est 0, 0, c'est cette valeur. C'est la valeur 4 en principe, c'est la valeur 4, alors sa sortie c'est 0. La valeur 4, alors c'est 7 colonnes, 0, 1, 0, 0, c'est ici. Et c'est la valeur, qu'est-ce qu'on avait dit? La valeur 4, elle doit sortir la valeur 0. Voilà. La valeur 5. Valeur suivante, c'est la valeur 5 et c'est 1 ici, 1 ici, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Qu'est-ce qu'elle doit sortir? Elle doit sortir la valeur 1. Voilà, on écrit la valeur 1. La suivante, c'est 10, c'est la valeur 6, c'est celle-là, c'est la valeur 6. Elle doit sortir la valeur 1. Ici, c'est le 10. Elle doit sortir la valeur 1. On continue. Ici, c'est la valeur 11. Alors, la valeur 11, ça veut dire c'est la valeur 7. C'est celle-là. La valeur 7, elle doit produire la valeur 1. Et c'est ici. Voilà, on continue de la même manière. Zéro zéro, ici c'est 10. Ça veut dire maintenant on va prendre cette colonne. On va prendre cette colonne. Cette colonne, on va commencer avec 0, 0. 0, 0, c'est la valeur 8. Voilà, c'est celle-là. 8 doit produire 1. Voilà, c'est ici. 10, 0, 0, elle doit produire la valeur 1. La suivante. C'est 0, 1 et c'est la valeur 9. La valeur 9, c'est 10, 0, 1. 10, 0, 1, c'est ici. Est-ce qu'elle doit produire la valeur 1? Je dois écrire 1. Alors, on continue. La valeur suivante, c'est 10, 10. Ça veut dire c'est 7 lignes. 10, 10, c'est la valeur. C'est quelle valeur? 10, 10 en principe, c'est la valeur 10. Alors les valeurs restantes sont tous à 0. Il reste 6 valeurs, c'est ceux-là, ils doivent tous être à 0. On sait qu'ils doivent, c'est des chiffres qu'on ne peut pas afficher. Les valeurs restantes sont à 0 parce que c'est les chiffres 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ces chiffres-là, on ne peut pas les afficher. Voilà, on vient de remplir notre table de Carnot. On vient de remplir notre table de Carnot. Le point suivant, c'est l'explication de l'ordre. On doit expliquer pourquoi dans la table de Carnot, et exceptionnellement, ici, normalement, si on suivait l'ordre normal, c'est 0, 0, 0, 1, 10, 11. Ça, c'est l'ordre normal. Mais la table de Carnot, dans ses lignes et dans ses colonnes, elle ne suit pas l'ordre normal. Elle suit ce qu'on appelle le code de Gray. C'est un savant. Il a inventé ce code. On doit suivre le code de Gray. Alors, le code de Gray, voilà, ça s'écrit de cette manière. Le code de Gray, la création du code de Gray. Gray, qu'est-ce qu'il stipule? Gray nous informe que deux valeurs successives, comme ceci, 0, 0, 0, 1.
Lorsqu'on passe d'une valeur à l'autre, c'est une seule variable qui doit changer. Pas plus, pas moins. Ça, c'est la règle pour créer un code de grès. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons par exemple qu'on a trois variables. Nous, on a utilisé deux. Supposons par exemple qu'on a trois variables. Là, c'est la première valeur. Pour passer à une autre valeur, je ne peux changer qu'une seule variable. Je dois choisir ça, ou bien ça, ou bien ça. L'une d'elles, c'est correct. Si j'écris par exemple ça, c'est correct. Je viens de modifier celle du milieu. Mais quel que soit l'emplacement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que une seule variable, seulement une seule variable doit changer, pas deux. Si on regarde notre ordre, ça commence correct. 0, 0, je passe à 0, 1. Ça veut dire que c'est une seule variable qui a changé. C'est la première variable qui a changé. Mais là, si je fais, par exemple, le passage de 0, 1 à 10, ça veut dire l'ordre normal, là, il y a défaut. 0, 1 vers 10, là, je ne respecte pas la règle de Gray. Pourquoi? Je viens de modifier deux variables. Quelles sont ces deux variables? La première et la deuxième. La première, elle est devenue 1, de 0. Elle a changé de 0 vers 1. Et la deuxième, elle a changé de 1 vers 0. Ça, c'est interdit dans le code de Gray. Ça, c'est interdit. Le code de Gray stipule que le passage d'une valeur à la valeur suivante exige le changement qu'une seule variable, pas plus, pas plus. Donc, ça c'est faux. Qu'est-ce qu'on le remplace? On le remplace par 11. On va le remplacer par la valeur 11. La valeur 11 respecte le code de Gray, malgré que ce n'est pas totalement ordonné, mais peu importe, la règle elle est respectée. Là, qu'est-ce qu'on change? On change que la première variable qui était 0, elle est devenue 1. D'accord. Et la suivante, c'est pas 11, c'est 10. La suivante, c'est 10. Est-ce que 10, elle suit le code de Gray? Oui. C'est une seule variable qui va changer, c'est la deuxième variable. Elle est 1, elle devient 0. Et la première variable n'a pas changé. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut ordonner de cette manière. Il faut utiliser le code de Gray. Vous ne pouvez pas ordonner normalement. Il faut suivre l'ordre de Gray. Alors, pour deux variables, c'est facile. Pour une variable, c'est aussi très facile. Une variable, c'est 0 vers 1. On passe de 0 vers 1. C'est très facile. C'est 0 vers 1. On a une seule variable. Elle change de 0 vers 1. C'est très simple. Quand on parle de trois variables, ça devient compliqué. Pour trois variables, c'est compliqué. Pour quatre, c'est encore compliqué. Mais peu importe. Généralement, on ne va pas se complexifier la vie. Mais je vais vous donner un aperçu de ce qu'est le code de Gray. Par exemple, ici, on peut voir, par exemple, ça, c'est n est égal à 1, une seule variable. Une seule variable, c'est ça, 0, 1. C'est très simple. Pour deux variables, c'est le code qu'on vient de voir, 0, 0, 0, 1, 11, 10. Pour trois variables, ça, c'est la combinaison, c'est ça. On ne va pas l'utiliser, mais c'est juste une démonstration. Voilà, par exemple, c'est 0, 0, 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 8. Là, je suis en train de parler niveau binairement. Ça, c'est la valeur 0, ça, c'est la valeur 1 binaire, ça, c'est la valeur 3 binaire, ça, c'est la valeur 2 binaire, et ainsi de suite. Et là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe d'une valeur à l'autre, on change qu'une seule variable. Là, on vient de changer la première, là, on vient de changer la première aussi. Là, on vient de changer la dernière. Le passage de ici, ici, on vient de changer la première. Ici, celle du milieu. Et de là à là, on vient de changer la première. Une remarque que j'ai oublié de dire, c'est que la dernière valeur doit être la suivante de la première. Le code de Gray, il est circulaire. Ça veut dire que la règle doit s'appliquer pour la dernière avec la première. La première, c'est 100. La dernière, c'est 100. La première, c'est 0. C'est la dernière variable qui a changé. Ça, c'est le code de Gray. Alors, je le dis pour la dernière fois, le code de Gray s'applique pour les valeurs lorsqu'on crée les lignes et les colonnes. Il y a encore une chose
très importante à dire ici, c'est que la même chose ici, c'est que le 10, il est voisin ou bien il suit la règle de Gray. Ça veut dire le 10, si on revient vers 0, le 10, c'est le suivant de 0. Pardon, le suivant du 10, c'est 0. Voilà, 10, son suivant, c'est 0. Ça veut dire 10, je passe vers 0, je viens de changer que cette variable. Je viens de changer que cette variable. Bien sûr, ici, lorsque je parle sur ces variables, je parle de E3 et E2. Si je parle, par exemple, de cette valeur signifie que, cette colonne signifie que E3 a la valeur 0, E2 a la valeur 0. Si je passe à la colonne suivante, là, qu'est-ce que je dis? Je dis que E2 vient de changer. Elle contenait la valeur 0, maintenant elle contient la valeur 1. C'est E2, c'est la variable E2 qui vient de changer. La même chose ici. Ici, c'est la variable E3 qui a changé. E3 était 0, elle est devenue 1. Et ici, c'est E2 qui a changé. La dernière, c'est E2 qui a changé. Voilà. On a besoin de cette notion parce qu'on va voir, on va parler de ces variables. On va chercher les changements dans les variables après. Ça ne fait rien. On vient de remplir la table. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à créer ce qu'on appelle les ensembles. Ça, c'est un ensemble. La table de Carnot consiste à créer des ensembles. Alors, la première chose à dire ici. Là, on travaille sur le format, sur la forme canonique disjonctive. Ça veut dire les ensembles, ils vont couvrir les 1. On a la table de vérité, on a plusieurs 1, on a 8, on les a comptés. On doit tous les couvrir par des ensembles. La table de Carnot fonctionne de cette manière. On doit couvrir tous les 1 par des ensembles. On ne doit laisser aucun 1. Tous les 1 doivent être couverts par des ensembles. Les zéros ne doivent pas être couverts. Les zéros ne doivent pas entrer dans la couverture. La couverture, elle doit toucher que les 1. Cette couverture que je viens de faire ici, c'est juste une démonstration. C'est pas, il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles que je vais appliquer après, que je vais expliquer après. Mais c'est ça la première règle. La première règle, c'est que tous les 1 doivent être couverts par un ensemble. L'ensemble doit contenir que les 1. Que les 1 ne peuvent pas contenir des 0. Ça, c'est la première règle pour les ensembles. La deuxième règle, c'est que les ensembles réellement sont des rectangles. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, ça. Ça n'est pas acceptable. Cet ensemble n'est pas acceptable. Ou bien, par exemple, ça, cet ensemble triangle en triangle. Ça, c'est pas acceptable. Les ensembles doivent être des rectangles. Les rectangles, ils ont ce qu'on appelle une longueur. Ici, c'est 2. Et ils ont une largeur. Ici, c'est 2. Ça veut dire ce rectangle, c'est 2 fois 2. C'est 2 fois 2. On doit créer des rectangles. Les rectangles, ils ont 10 dimensions. Et il y a une exigence sur les dimensions. Les dimensions, ils doivent être une puissance de 2. La largeur ou bien la longueur. Ils doivent être une puissance de 2. Ici, c'est correct. C'est 2 à la puissance 1. Ici, c'est 2 à la puissance 1. Et ici, c'est 2 à la puissance 1. Ici, c'est correct. Mais ils doivent être une puissance de 2. On va faire un contre-exemple. On va faire un exemple où vous allez voir où je vais faire une erreur exprès. Juste pour comprendre. Supposons, par exemple, qu'on a cette table de Carnot.
Supposons par exemple, on a cette section. Alors, si je vois les 1 sont assemblés, sont voisins, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ce rectangle. Alors, ce rectangle est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que je ne respecte pas la dernière règle qu'on avait parlé. Ça, c'est la 2 à la puissance 1. Ça, c'est 3. 3, il n'est pas une puissance de 2. 3, il n'est pas une puissance de 2. Et cet ensemble ne peut pas être correct. Cet ensemble ne peut pas être correct. L'ensemble ne peut pas être correct. Alors, je vais faire quelques exemples rapides, juste pour s'exercer. On pourrait dire, par exemple, si j'avais, par exemple, un seul 1 entouré par des 0, par exemple. Ici, l'ensemble sera comme ça. Ça veut dire 1, 3, 1. Ça, c'est 2 à la puissance 0. C'est 2 à la puissance 0. 1 fois 1, c'est correct. Si par exemple, supposons par exemple que j'ai 2 1 voisins, comme ça. Ce que je vais faire, je vais créer un ensemble de cette manière. Et c'est l'ensemble, ça c'est 2 3 1. Pardon, 2 3 1. Je vais faire un autre exemple, supposons par exemple. Allez-y, on va faire 4 1. Faire 4 1. Faire 4 1. Là, je vais faire ça. Ça, c'est 1 fois 4. Acceptable, c'est acceptable. Voilà, c'est ça la règle. On doit créer des ensembles. Ces ensembles doivent être avec des dimensions de puissance de 2. On doit couvrir avec ces ensembles, on doit couvrir tous les 1. L'ensemble ne doit pas contenir un 0 à l'intérieur, ça doit être que les 1. On doit couvrir tous les 1. Et il y a une autre règle. La règle suivante, c'est que on doit essayer de maximiser l'ensemble. On va essayer de couvrir le maximum de 1, même s'il y a chevauchement. Même s'il y a chevauchement de couverture, c'est pas grave. Le plus important, c'est que l'ensemble doit être le plus grand possible. On va faire un exemple. Si par exemple, voilà, on va changer ça. Supposons par exemple, on a ceci. 0 ici, 0 ici. L'exemple précédent, l'exemple sur lequel on avait fait 3 fois 2. Alors, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Voilà, ça c'est 2 fois 2, c'est correct. Et ça, c'est 2 fois 1. C'est correct. Mais ce n'est pas la bonne solution par rapport à la dernière règle. La dernière règle exige qu'on prend le maximum. Qu'on prend le maximum. Le maximum ici, c'est de faire ça. De créer deux ensembles 2 fois 2, 2 fois 2, même s'il y a un chevauchement. Là, il y a un chevauchement, mais ce n'est pas grave. L'ensemble est plus grand. L'ensemble est plus grand. L'ensemble est plus grand. Ça, c'est important parce qu'à chaque fois, on augmente la taille de l'ensemble, le terme il va réduire. Le terme il va réduire. Une variable va être enlevée. On va voir ça après. Mais à chaque fois que l'ensemble est grand, la variable elle va disparaître. La variable elle va disparaître. Et la dernière règle à dire ici, c'est que je dois prendre le minimum d'ensembles qui peuvent couvrir tous les 1. Je ne dois pas ajouter des ensembles superflus en plus. Je dois prendre le minimum. Par exemple, si je pouvais couvrir tous les 1 par 2 ensembles, c'est mieux que de couvrir tous les 1 par 3 ensembles ou bien 4. Je dois toujours minimiser le nombre d'ensembles. Je dois minimiser le nombre d'ensembles qui vont couvrir tous les 1. On va faire un exemple. Supposons par exemple, on a cet exemple. Voilà, 1, 1,
1 ici, 1 ici, 0 ici, 0 ici, quelques 0 ici. Voilà, on a ces 1. On pourrait faire ça. Voilà, ces 2, on va les mettre dans un ensemble, ces 2-là. On va les mettre dans un ensemble. Là, je viens de couvrir tous les 1. Si j'ajoute, par exemple, troisième ensemble comme ceci, là, c'est faux. Là, c'est faux. Là, je ne respecte pas la dernière règle. La dernière règle, c'est que 2 ensembles suffisent pour couvrir tous les 1, j'arrête à 2 ensembles. Je ne vais pas ajouter troisième. Je ne couvre pas avec 3. Je ne couvre pas avec 3. Voilà. Voilà, globalement, c'est ça. C'est les, en résumé, c'est les règles qu'il faut respecter pour créer les ensembles. Pour créer les ensembles, et on va voir que la création des ensembles, elle va nous permettre de réduire la fonction. Elle va nous permettre de réduire la fonction. Une dernière chose à dire ici concernant les tables de Carnot. Les tables de Carnot, ils sont circulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont circulaires. Ça veut dire, on a par exemple cette cellule, c'est la voisine de cette cellule. Et c'est la voisine de cette cellule. Et en plus, ce 0, cette cellule, c'est la voisine en haut de cette cellule. Ça veut dire celle-là et celle-là, ils sont voisines. La même chose pour le bas. Par exemple, cette cellule, sa voisine, c'est celle-là. C'est celle-là, celle-là. Lorsque je dis voisine, il faut l'imaginer sous format circulaire. Ça veut dire que c'est comme si ce bord, il est collé à ce bord d'une façon circulaire. D'une façon circulaire. Et la même chose pour les bords verticaux. Verticaux. Ça veut dire que cette cellule, c'est la voisine de cette cellule. C'est la voisine de cette cellule. C'est 1. C'est 1. Ils sont voisins. Ça, c'est important. Ça veut dire, s'ils sont voisins, on peut créer à travers ça, on peut créer des ensembles. Par exemple, je peux faire ça. Ça, c'est correct. Parce qu'ils sont voisins. Parce qu'ils sont voisins. Et l'autre table, elle est circulaire. Elle est circulaire. On l'imagine comme si c'était un cylindre. Si c'était un cylindre. Voilà, ça c'est la dernière remarque. Ça c'est la dernière remarque avant la création des ensembles. Alors, on va commencer la création des ensembles, on va chercher les 1. Alors, on peut facilement remarquer que ces 1, ils sont en paquet, ils sont ensemble. On peut créer un ensemble ici. L'ensemble qu'on va créer, c'est 4 fois 4. Ça respecte la règle de la puissance de 2. Voilà, c'est normal. Est-ce que c'est le maximum? Oui, c'est le maximum, je ne peux pas agrandir plus. Alors, il me reste ce 1. Ce 1, je dois regarder ses voisins. Voilà, ici il y a 0, ici il y a 0, ici il y a 0. En bas, il y a 1. Je pourrais faire ça, mais c'est faux. C'est faux parce que j'ai l'ensemble, il est petit. Je dois prendre le plus grand ensemble, même s'il y a chevauchement. Voilà, je prends l'ensemble le plus grand. Je ne peux pas prendre 3. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est le maximum. Il me reste ces deux 1. Ils sont voisins, c'est visible qu'ils sont voisins. On va les mettre dans un ensemble. Et il nous reste le dernier 1. Le dernier 1, on voit ces ensembles. Il a un 0 ici, un 0 ici, en haut. Si on voit en haut, ça veut dire, voilà, ce 1, il est voisin de ceci. D'accord. On peut voir à gauche aussi la même chose, il est voisin de ce 1. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un ensemble. Je vais, par exemple, créer cet ensemble. Voilà, je dois prendre l'ensemble le plus grand. Et l'ensemble le plus grand, c'est 2 ici. C'est 2 ici. Je pourrais faire ça. Mais l'une des deux solutions. Ou bien, je prends celle-ci. Ou bien celle-là. Je ne dois pas prendre les deux, sinon je vais augmenter le nombre des ensembles qui vont couvrir les 1. Alors je vais prendre la première. La première, là, je m'arrête. Je viens de couvrir tous les 1. Je vais ajouter aucun ensemble. J'ai couvert tous les 1. Et en tout, j'ai obtenu 1, 2, 3, 4. 4 ensembles. J'ai obtenu 4 ensembles. Et vous allez voir, je vais le dessiner ici, chaque ensemble, il va
me produire un terme. Il va me produire un terme dans notre formule de la fonction. Notre formule de la fonction. Alors, je vais écrire la fonction. La fonction, en principe, qu'on va faire, c'est A de E, ici 3, 3, E, 2, E, 1, E, 0, égal. Et j'ai quatre termes. Je vais commencer avec le premier. Je vais commencer avec ça. Avec le plus grand ensemble. Chaque ensemble, il va me représenter un terme et je vais l'écrire. Je vais commencer avec le premier. Alors, la première chose à faire, c'est d'écrire le min-term. Le min-term, ça veut dire le terme qui contient toutes les variables. Il va contenir les quatre variables. E0, E1, E2, E3, et bien sûr, c'est une opération de multiplication entre les quatre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer l'élimination des variables. Comment je vais faire l'élimination des variables? C'est par rapport à leur changement de valeur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cet ensemble. La première chose à faire, c'est de tracer ou bien de détecter les limites de cet ensemble. Alors, cet ensemble, il est limité ici, dans les lignes, et il est limité ici, ça c'est son intervalle, il est limité ici dans les colonnes. Alors, lorsque je trouve les limitations, là c'est les limites en ligne et en colonne. Lorsque je trouve, je vais voir les valeurs. Voilà, par exemple, concernant les colonnes. J'ai ces deux valeurs. J'observe bien les valeurs. Qu'est-ce que je vois? Je vais chercher la variable dans laquelle la valeur a changé. Je dois chercher la variable dont la valeur vient de changer. Entre ces deux-là, la valeur qui a changé, c'est E2. E2, ici, c'est 0. Elle devient 1. Il faut se rappeler que ces deux valeurs, ils représentent ces deux variables. Ici, c'est E3 est égal à 0, E2 est égal à 0. Et ici, E3 est égal à 0, E2 est égal à 1. Quelle variable a changé? C'est le E2. La variable qui change selon la table de Carnot, elle est éliminée. Ici, E2 a changé, je dois l'éliminer. Je dois la supprimer, je dois la réduire. La variable restante, c'est E3. Je dois voir sa valeur. La valeur restante, E3, c'est 0. Si c'est 0, je mets barre sur la variable. Si c'est 1, je ne mets rien. C'est la même règle appliquée sur la forme disjonctive, canonique disjonctive. La forme canonique disjonctive qu'on a fait précédemment, lorsqu'on trouvait une valeur est égale à 0, on mettait barre. Si la valeur est égale à 1, on ne mettait rien. La même chose ici. La valeur restante, c'est 0, je mets barre. Et j'élimine le E2. Alors, concernant les lignes, la même chose. J'ai deux valeurs. Je me rappelle que ces deux valeurs représentent ces deux variables. Représentent le E1 et le E0. Alors, j'observe bien. Qu'est-ce que je vois? Si je me déplace entre ces deux ici, il y a une variable qui change. C'est le E0. Cette valeur, entre cette valeur et cette valeur E0, ici, elle est égale à 1. Ici, elle est égale à 0. E0 vient de changer. Je l'élimine. La valeur restante, c'est E1, est égale à 1. Je ne mets pas de barre ici. Je ne mets pas de barre parce que c'est 1. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il me reste, je vais écrire le résultat. Il me reste E3 par 3 E1. Je mets un plus. C'est le format disjonctif. Toujours les termes sont séparés par un plus. C'est le format disjonctif. Je mets un plus. Et voilà. Là, je continue pour les autres ensembles l'expression entière. Pour faire sortir l'expression. Alors, on va nettoyer un peu ça. On va faire la même chose.
pour les autres. On va faire la même chose pour les autres. Alors, on a terminé avec ça. On a terminé avec cet ensemble. Voilà, on a terminé avec le premier ensemble. On va faire, par exemple, celui-ci. On va faire celui-ci. On va faire exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On va écrire le mi-term. Il contient toutes les variables. Juste avant de continuer, je dois remettre ici. Alors, on doit écrire toutes les variables. 0, 1, 2, 3. Il y a une multiplication entre les variables. Et là, je vais faire la même chose. Ça veut dire que je vais voir les limites de mon ensemble par rapport aux lignes, par rapport aux colonnes. Si je vois les colonnes, sa limite c'est ici. L'ensemble, il se limite ici. Et pour les lignes, l'ensemble, il se limite ici. Je dois chercher les limites en ligne et en colonne. Si on voit par exemple les colonnes, ça représente les variables E3, E2. Et ici, on a une seule valeur. Une seule valeur. On n'a pas une deuxième valeur, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Ici, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de valeur qui doit être éliminée. Les changements, on élimine les variables lorsqu'il y a un changement. Là, on a une seule valeur, on ne va rien éliminer. On doit observer leur valeur. Ici, le E3, elle a la valeur 0. E2, elle a la valeur 1. Ça veut dire que E3 doit contenir le bar. E2 ne contient pas de bar. Voilà, on a terminé avec les deux premières. Pour les lignes, alors l'intervalle c'est ici, ça représente E1 et E0. Là, on a deux valeurs. On a cette valeur, on a cette valeur. Alors ici, c'est entre ces deux valeurs, la variable qui change c'est le E1. E1 change, ça veut dire que 1 doit disparaître. Celle qui reste, c'est le E0. Elle contient la valeur 1, ça veut dire que je ne mets pas de barre. Je ne mets pas de barre. Et je viens de sortir le terme pour cet ensemble qui ne contient que 3 variables. 3, 2, 0. Ici, c'est bar. Ici, bar. Et voilà. Et voilà. Là, bien sûr, on doit faire le plus. Et voilà. Et voilà. On vient de créer le deuxième. Alors, on va nettoyer un peu les choses. Voilà, on supprime ça. Voilà, on a terminé cet ensemble. On vient de terminer cet ensemble. On va faire celui-là. On va faire la même chose. On va faire celui-là. Celui-là. La même chose ici. Je dois délimiter les lignes et les colonnes. Alors, cet ensemble, il est limité ici par les colonnes et il est limité de cette manière par les lignes. Voici les limites. Voici l'intervalle pour cet ensemble. Alors, cet ensemble, on doit commencer par les colonnes. Ça veut dire la valeur, les variables E3, E2. Alors, E3, E2, il y a une seule valeur. C'est comme la précédente, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement en même temps. Les valeurs E3, elle a la valeur 1 et E2, elle a la valeur 0. Ça veut dire E2 doit avoir le bar. Doit avoir le bar. Pour les colonnes, on a deux valeurs. 0,0, 0,1. Ils représentent E1, E0. C'est la variable E0
qui change, ça veut dire on élimine E0. La valeur restante, c'est E1. Et sa valeur, elle est à 0. Ça veut dire je mets barre. Ça veut dire je mets barre. Et c'est bon. Je viens de la terminer. On va la mettre ici. On va la mettre ici. Voilà, on va nettoyer un peu les choses. Et on va terminer avec le dernier ensemble. Voilà. On va faire le dernier. Le dernier, on va effacer ça, on a terminé ça. Le dernier, c'est celui-là. Même chose. Voilà. On pose toutes les variables, on crée un minterm qui représente toutes les variables. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les intervalles. Alors, les intervalles, on sait, ici, c'est un ensemble qui prend le format circulaire. Ça veut dire pour les colonnes, c'est ça sa limite, c'est ça. Il faut juste se rappeler que c'est un format circulaire, ça veut dire que le premier est le voisin du dernier. Pour les lignes, il y a une seule valeur. Il n'y a pas grand chose, il y a une seule valeur. Voilà, on va le faire. On va voir les colonnes, on a deux valeurs, 0, 0 et 10. 0, 0 et 10. Alors, 0, 0 par rapport aux deux variables E3, E2. 0, 0 et 10, ça veut dire que c'est la valeur E3 qui change. La valeur E3 qui change, on va le lever. Et E2, elle a la valeur 0. Ça veut dire E2, on la met barre, on lui met un barre, une barre. Pour les lignes, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il n'y a pas une variable qui va être éliminée. Et les valeurs pour 1, 1, 0, c'est 0, 0. Ça veut dire que c'est barre, barre. Voilà. C'est barre, barre. On vient de terminer. On vient de terminer. On a fait sortir l'expression réduite pour notre fonction qui est le A, la fonction de A. Voilà. Voilà. Comme ça. Ça. Ça représente la nouvelle fonction A réduite. Si vous vous rappelez, au préalable, la fonction, elle était très longue. Elle contenait 8 termes. Chaque terme, c'était min terme, ça veut dire chaque terme, il contenait 4 variables. Là, on l'a réduite. Vous allez voir sur le dessin, lorsqu'on va dessiner, ça va être très réduit. Ça va être très réduit. Voilà, on vient de faire la réduction en utilisant la table de Carnot. C'est lent, c'est difficile, mais il faut bien la maîtriser. Il faut bien la maîtriser. Et maintenant, l'étape suivante, c'est... la cinquième étape, c'est le logigramme ou bien c'est le diagramme logique. Dans le diagramme logique, on connaît déjà ça, on avait vu ça, c'est l'étape finale, c'est pratiquement le résultat. On va dessiner le circuit, on va dessiner le circuit. Ici, on va un peu changer les choses. Au préalable, on avait les entrées à gauche et les sorties à droite. Là, on va changer un peu, on va faire les entrées en haut. On va les faire de cette manière. On va les faire de cette manière, ça veut dire par exemple, ça c'est l'entrée E0, E1, E2, E3. Cette façon de dessiner, elle est plus pratique. Elle est plus pratique. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est juste un point concernant la pratique. Là, on a par exemple le E0. Le E0, ce fil direct va représenter le E0 et celui-là, il va représenter le E0 bar. Il va représenter le E0 bar parce qu'il traverse, traverse un inverseur. Il traverse la porte NOT. Il traverse la porte NOT. De cette manière,
on aura à chaque moment, on aura la possibilité d'avoir la variable et son complément. La variable et son complément. Vous allez voir, on va commencer à travailler, vous allez voir comment ça va avancer. Là c'est l'équation. C'est l'équation qu'on avait trouvée. Ça, c'est l'équation réduite qu'on avait trouvée. On va dessiner à partir de cette équation. On va dessiner à partir de cette équation. Juste, je rappelle le principe. Le principe ici, c'est qu'on doit dessiner le circuit électronique qui va évaluer cette expression. Il va évaluer automatiquement, électriquement, cette expression. Toujours la même chose, on va commencer avec les opérations les plus prioritaires. Ici, les plus prioritaires, c'est le NOT. Alors, le NOT, ils sont tous disponibles ici. Voilà, ici, il y a les NOT, ils sont disponibles. Je n'ai pas besoin de les refaire. Je n'ai pas besoin de les refaire. Alors, je passe à la porte suivante. La porte suivante la plus importante, c'est le AND. C'est le AND. Si on prend un terme, là, on a deux AND. Mais vous allez voir, on va essayer de créer une seule porte AND avec trois entrées à partir de ce terme. Je vais prendre ce terme et je vais dire il contient trois entrées. Il contient trois entrées, c'est possible de faire ça. On va utiliser les portes à trois entrées. On va, le fan in est égal à 3 pour rassembler ces deux portes AND. C'est possible de faire deux, mais ça va être plus facile de créer une porte avec trois entrées. Alors, on va prendre, on a les portes ici. On va les prendre, on a besoin d'une AND. Je vais prendre par exemple cette AND. Je vais la mettre ici. Je vais partir toujours de gauche à droite. Ça, c'est, je suis en train de passer à l'opération la moins prioritaire. La première, la plus prioritaire, c'était le NOT, on l'a faite. Maintenant, c'est le AND, et on va terminer avec le plus, le OR. Alors, on a ce AND, on va dire que, je vais écrire ça, on va dire que ce AND, il va évaluer cette expression. Il va évaluer cette expression. Alors, comment je vais faire? Je vais dire, ce AND, il va recevoir le E de bar. Alors, qu'est-ce que je fais? Pourquoi cette mise en forme, elle est pratique? Je cherche le E2. Je pars directement, je cherche le E2. Ça, c'est le E2. Pardon, c'est le E de bar. Je cherche le E de bar. Ça, c'est le E de bar. Voilà, c'est le E2. Lorsque je passe par le NOT, ça devient E de bar. Je fais un nœud pour dire qu'il y a une connexion et je vais porter le signal vers la porte. Je vais porter le signal vers la porte. La porte, maintenant, elle reçoit E2 ici. Elle reçoit, en plus, E1 bar. E1, c'est ici. Le bar, c'est ici. Je mets un nœud ici et je porte le signal vers la porte. La même chose. E0 bar, ici, c'est E0. E0 bar, c'est ici. Je mets un nœud ici et je porte le signal vers la porte. La sortie de cette porte ici maintenant, ici exactement, ce fil, il va me calculer, il va m'évaluer l'expression E2 bar et E1 bar et E0 bar. Voilà, et on va faire exactement la même chose pour les autres. On a 1, 2, 3, 4, on a 4. Voilà, on va rajouter 4. On a besoin d'une troisième et d'une quatrième. Voilà. On va juste écrire les formules à l'avance pour connaître ce qu'ils vont produire. Voilà, la suivante, c'est celle-là. Elle va être sortie. Elle va sortir par ici. Ensuite, on a celle-ci.
Et ensuite, on a celle-ci. Voilà, comme ça, on vient de calculer tous les AND. On vient de calculer toutes les opérations AND. On a juste besoin de rattacher ici. On a par exemple E3 bar. Le E3, c'est ici. Le bar, c'est ici. Je mets un nœud et je porte le signal à la porte. E2, ça c'est E2, ça c'est pas E2 bar, je mets le nœud et je porte le signal. Le E0 c'est ici, je mets un nœud et je porte le signal. Ici c'est E3, E3 c'est ici, je mets un nœud, je porte le signal. E2 bar, ça c'est E2, ça c'est E2 bar, je mets un nœud, je porte le signal. E1 bar, ça c'est E1 bar, je mets un nœud, je porte le signal. La dernière, c'est une porte qui contient que deux entrées, ça c'est une porte normale. E3 bar, je porte le signal, et ici c'est E1. Espérons qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, en principe, c'est ça. On vient de calculer, jusque-là, on vient de calculer tous les AND. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le OU. Faire le OU. Ici, on va faire un OU. C'est vrai qu'on a, en tout, on a trois additions. Mais vous allez voir, on va faire exactement la même chose. Ça veut dire on va utiliser une seule porte OU, mais avec quatre entrées. On va utiliser une porte OU avec quatre entrées. Ça va nous éviter d'utiliser beaucoup de portes. Ça va nous aider à réduire le nombre de portes. Voilà, on va prendre une porte OU avec quatre entrées. Voilà, et ici on a la sortie. La sortie, on l'a ici. Voilà, c'est le segment A. On vient de terminer le segment A. On vient de faire sortir le signal vers le segment A. Là, on vient de terminer le segment A. Bien sûr, la mise en disposition de cette manière, ou bien la mise en forme de cette manière, elle est très pratique. Si on a besoin, quelle que soit la variable qu'on a besoin, ou bien de son complément, on va directement mettre un point. Le point ici, c'est important. C'est pour dire qu'il y a connexion. Pour dire qu'il y a connexion, on fait le point et on rapporte le signal vers la porte. On étend le signal vers la porte. Le deuxième point ici, la deuxième remarque à dire ici, c'est que on a fait que le segment A. Ça veut dire que l'étape 3, les fonctions canoniques, plus la table de Carnot, la réduction, plus cette partie du logigramme, elle ne concernait que le segment A. Et normalement, il faut faire les 7 segments. Normalement, il faut faire les 7 segments. Et en principe, vous allez voir ça en TD. Vous allez faire un exercice où vous allez exercer les autres segments. On a vu qu'un seul segment, mais vous allez voir, vous allez faire les autres segments. L'autre remarque aussi que je voulais dire, c'est que le nombre réduit de portes. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 portes. Si on n'avait pas mis de réduction, on aurait mis 50 portes. On aurait mis 50 portes, c'est énorme. La réduction, elle est très importante. On vient de réduire ici, et c'est très, très important. C'est très, très important. La remarque à dire ici aussi, c'est que le logigramme, il doit contenir les 7 segments. Et les 7 segments, comment ils seront organisés? Normalement, ces fils, on devrait les étendre en bas. On devrait les étendre en bas. Et on va mettre, par exemple, le circuit pour le segment A ici. En dessous, on met le segment B. Et en dessous, on met le segment C. On les met l'un sur l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à dessiner tout le logigramme pour le contrôleur d'afficheur 7 segments. Tout le logigramme. Ça, c'est une méthode. On va voir d'autres méthodes juste après. Voilà. En principe, on a terminé. Il nous reste une chose à faire. On va tester. Est-ce que ça donne le bon résultat ou pas?
Alors, je vais tester une valeur très simple. Je vais tester le 0, 0, 0, 0. Là, si vous vous rappelez sur la barre de vérité, le 0, 0, 0, c'était la valeur 1. Elle doit nous sortir la valeur 1. Elle doit nous sortir la valeur 1. Pourquoi? Parce que c'est le segment A. Le segment A, si vous vous rappelez, c'est le segment OO. Si je veux afficher la valeur 0, le segment OO, il doit être allumé. Le chiffre 0 va allumer le segment A. Le chiffre 0 doit allumer le segment A. Ça veut dire qu'on aura en principe 1 ici. Alors, avant cela, je vais faire la comparaison. Je vais faire le calcul sur la formule et je vais voir comment la machine elle va évaluer cette formule. Alors ici, on va mettre 0, 0, 0, 0. Alors ici, on aura, en principe, c'est 1 fois 1 fois 1. Plus, on aura 1 fois 0 fois 0. Et on aura 0 fois 1 fois 1. Et ici, c'est pardon, ici, c'est 1 fois 0. Alors, ça va donner 1. Ça va donner 0. Ça va donner 0. Ça va donner 0. Ça, c'est un 0. Donner 0. Le tout, c'est un AND. Le tout, il va nous donner 0. Ce calcul mental, en principe, il sera automatiquement exécuté sur ce circuit et on va voir. On va commencer avec la première porte. La première porte, elle va recevoir, voilà, 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 1. C'est exactement ça. Elle doit produire la valeur 1. Voilà, c'est exactement. On est ici. On est ici. Voilà, jusque-là, c'est correct. Pour la suivante, on a ici c'est 1, ici c'est 0, ici c'est 0. Et ça va produire en principe la valeur 0. Ce 0, ça représente ce 0. La machine pour l'instant calcule correctement. Ici c'est, voilà, 0. Ici ça doit produire 1, ici ça doit produire 1. Le résultat c'est 0. Ce 0, il représente ce 0. Et on a la dernière, ça veut dire ici c'est 0, ça va devenir 1. Ici c'est 0. Et ça va produire 0. Voilà, on parle de ça. On parle de ce 0. Voilà, on a les 4 0, ils vont arriver jusqu'ici. Pardon, ce n'est pas les 4 0. Ici on a 1, 0, 0 et 0. C'est ça. Ça va produire. Ça va produire ici, ça va produire 1, ça va produire 1, ça va produire 1, 1, ça va produire 1. Voilà. C'est 1, 0, ça va produire 1, 1 et c'est exactement ce qu'on cherchait. Ça veut dire que la machine a réussi à calculer, à évaluer automatiquement cette expression. Elle a réussi à évaluer automatiquement cette expression. Voilà, c'est ça le principe. Et on vient de terminer la méthode à 5 étapes. La méthode à 5 étapes, il faut bien la prendre, il faut toujours la suivre pour construire un circuit combinatoire.